Ça va? Ouais, moi ça va bien, ça va bien. Tu m'as pas reconnu? Ah, je pensais quand même. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, mais que tu m'as oublié. Non, je t'ai vu, tu m'as oublié. Yo tout le monde les gars, c'est Super Dimix, comment allez-vous? Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez gênante. Ouais, elle est gênante celle-là parce que en soi, je devrais pas être habillé comme ça. Non, je vais me changer. Alors je vous ai demandé sur Twitter, Insta et surtout Snapchat quelles étaient vos pires hontes. C'est-à-dire que je t'ai demandé le truc qui t'a le plus gêné dans ta vie. Ça veut dire que le truc là, que tu y penses encore, t'es gêné. Là t'es en malaise, là ça veut dire que tu y repenses, t'as envie d'aller te coucher. Il faut savoir que moi aussi, je suis un être humain, j'ai vécu cette situation. Même ces situations, ouais, je l'ai vécu plusieurs fois moi. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, on va voir de quoi on est capable. C'est vrai que j'ai vu que ces derniers temps on était capable de faire énormément de pouces bleus. Et j'aimerais savoir si c'est encore possible en 2017. Parce que c'est vrai que dans ma liste de vœux, je me suis dit qu'il faudrait peut-être une fois être en tendance. Et c'est grâce à vous si on est en tendance. Donc lâchez un maximum de pouces bleus et on verra peut-être que cette vidéo va aller en tendance. On n'en sait rien. Franchement, si on arrive à atteindre les 6000 pouces bleus, je serais vraiment très très content. C'est-à-dire que s'il y a les 6000 pouces bleus, et ben, je ferai des vidéos un peu plus régulièrement. Ça me donnerait la motivation, la force d'exister, l'envie d'avoir envie. J'arrête. Non, j'arrête. Non, j'arrête cette vidéo. Là, ça part vraiment trop en couille. Si tu croises le husky, alors avant de regarder vos pires hontes, je vais vous expliquer quelle est ma pire honte à moi. Alors cette histoire a lieu au collège. Et à la pause pour aller bouffer, on jouait à un jeu, je sais plus trop quoi, on devait s'attraper. C'est vrai que quand t'es en 6ème, t'es pas non plus au niveau des jeux très élevé quoi. Hein, le niveau est pas ouf. Et durant cette course poursuite, j'ai eu le malheur d'escalader un grillage. Et donc j'escalade ce grillage et au moment de redescendre du grillage, j'entends un... C'était le bruit de mon pantalon qui s'était coincé dans un pic du grillage et qui s'était déchiré. Et donc sur le coup, vous savez, ce genre de bruit, des fois on l'entend sur les manteaux ou quoi, je me suis dit ouais, ça doit être rien, un truc qui s'est un petit peu décousu ou quoi, c'est rien de spécial. Et en fait, si, je me suis retourné, tout l'arrière de ma cuisse était déchiré. Et j'ai dû donc retourner au collège toute une après-midi avec ce pantalon déchiré. J'ai donc dû attacher mon manteau à mes jambes toute la journée. C'est vraiment un truc que je me rappelle, ça m'a vraiment marqué parce que c'était vraiment honteux. Ah, c'est vraiment de la merde. Enfin bref, pas mal d'histoires, assez honteuses, mais assez drôles à la fois. Donc maintenant, je vais aller sur Snapchat et je vais aller regarder vos pire honte à vous et on va comparer avec la mienne. On va voir si moi c'est de la merde au final parce que moi j'ai l'impression que c'est un truc de ouf. Donc je vais aller sur Snapchat, je vais bien voir. Alors vous avez été vraiment nombreux à m'envoyer des snaps pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap d'ailleurs, Super Dimix. Et peut-être qu'un jour tu passeras dans une vidéo. Me remercie pas, t'es pas passé encore. On va commencer avec Noah. Moi ma pire honte c'est quand je me suis habillé en fille pour m'amuser et ma mère elle m'a dit on part. Je vais aller à une fête déguisée en fille avec des trucs dans les cheveux. Non, moi t'aurais été mon fils, je t'aurais ramené chez moi. C'est la fiche de se ramener avec un gosse habillé en meuf. Non, non, c'est pas Charlie. Bon, Owen Corsica. Bah en classe j'avais envie de pisser, la maîtresse m'a dit non, bah du coup j'ai pissé sur le côté. Et on s'est foutu de ma gueule. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que le mec m'a raconté ça comme ça. La prof l'a interdit de pisser, il a tout simplement pissé à côté. Mais pour lui, c'est normal, c'est normal. Ouais, Dimix, moi, c'est ma pire honte. En CMA, j'ai fumé dans les toilettes et je me suis fait griller. Et du coup, bah, mes parents, ils m'ont foutu des cloques. Nah, par contre, fumer en CM1, c'est pas Charlie, les gars, arrêtez, vraiment. Par contre, dans sa voix, on entendait tout le désespoir d'avoir fait ça. On a senti qu'il s'est fait totalement défoncer par ses parents, quoi. Salut Super Dimix, c'était pour te dire que moi, ma pire honte, c'était en fait, j'ai pété devant 100 personnes sans faire exprès. Oi, 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 devant 100 personnes. Non mais tu te rends compte, c'est chaud. Non, c'est vraiment chaud. Alors moi déjà que je me dis que quand j'étais en cours et qu'on était en contrôle, etc. et que mon ventre commençait à faire des siennes. Vous savez, ce moment gênant où votre ventre commence à faire des bruits alors qu'il y a un silence intenable dans la salle. D'ailleurs, c'est à se demander si le ventre ne fait pas exprès parce que je n'entends pas faire des bruits dans la journée. Alors déjà que ça, ça me foutait la honte. Alors Teps devant 100 personnes, je parle sérieux, t'as dû avoir la honte de ouf. Ma pire honte, c'est quand j'ai pété en plein cours de sport, ça a résonné et la prof de sport, elle m'a entendu, elle a dit, alors Yanis, on n'a pas digéré. Oh! Le pire vraiment dans ton histoire, c'est que la prof, elle s'est pas gênée pour te faire une remarque, quoi. Putain, ça se fait pas. Encore tes potes qui se foutent de ta gueule, ok, mais alors la prof, c'est encore plus humiliant, quoi. Bah, ma pire honte, c'est genre, j'étais avec un pote chez moi, on regardait une vidéo porno, tu vois, et genre mes parents sont rentrés et là j'étais pas bien. Non, Anto, je pose mon téléphone, parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on se pose tous les deux. Pourquoi tu regardais une vidéo porno avec un pote? Non, c'est gênant là, c'est gênant de ouf. Même moi j'ai honte. Même moi j'ai honte. Bah en fait, il y avait mon crush et tout. Puis en fait, j'avais donné un coup de pied. Puis il m'a pris mon pied. Puis du coup, je me suis pété la gueule en fait. Ah, c'est dur! Ah, c'est dur de ouf! Et se taper la honte devant ton crush!
c'est la pire des choses qui peut arriver. Non, Emma, namasté. Namasté. Non, je sais pas pourquoi je dis namasté, frère. Non, Jules, il m'a ancré Husky dans la tête, frère. Faut arrêter un moment. Si tu croises le Husky, namasté. Salut, c'est Pardimi. Je voulais te dire que ma pire honte, c'est quand j'étais en cours et là, je suis tombé de ma chaise. Oh là là, ils ont tous rigolé. Alors c'est vrai que tomber de sa chaise c'est un classique, mais alors moi, avec des potes on a fait pire, ça veut dire qu'on a fait tomber nos tables, carrément, on a fait tomber nos tables mec, demande pas comment on a fait, même nous on sait pas. C'était un jour pendant un cours d'éducation sexuelle, le prof avait demandé ce qu'on faisait le soir, et moi de tout un coup on s'en regardait, et je suis devenu tout rouge et tout le monde a rigolé. Ouah, non c'est hyper gênant, là c'est carrément malaisant voilà, non, non franchement, là je te donne la coupe, non, franchement toi t'as trop... C'est pas un bon trophée, c'est... Je suis vraiment désolé pour ceux qui sont pas passés, mais ça fait déjà 1h30 que je tourne, alors faut que je m'arrête un moment. Mais n'hésite pas à m'ajouter sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description pour suivre l'actualité et les prochaines vidéos qui seront en interaction avec vous. N'hésitez pas surtout à bombarder la barre de likes, peut-être qu'on peut arriver en tendance grâce à vous, donc... S'il vous plaît, en tendance. Je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo à Birdie qui parle de vos pires conneries faites en cours, dans la description comme d'habitude. C'était Super Dimix, ciao.